Vous savez, le coordonnateur, le directeur national de CECOP, ainsi que l'inspecteur national de l'EPSP sont en détention à la prison centrale de Makala. Nous allons décrypter un tout petit peu ce procès qui se déroule déjà. En deuxième lieu, nous allons parler de cette déclaration, la sortie médiatique de la CENCO ainsi que la réaction du camp présidentiel. Nous allons savoir pourquoi cette sortie épidermique de la CENCO et puis la réaction aussi épidermique de la CENCO. Ça, un jour après, c'est Sami Badi dans la pub de l'émission. Un acte volontaire, un acte personnel, quelqu'un qui a la charge d'exercer une fonction peut, avec son intime et conviction, ou pour des raisons qui lui sont propres, démissionner. Et que donc, la démission. En principe, qui n'est pas congolais, c'est bien entendu, mais que l'on doit quand même chercher à rendre véritablement effectif. En ce qui concerne particulièrement l'arrivée et la démission, l'arrivée de Moïse Katumbi et la démission, il y a de quoi penser à une certaine coïncidence. À ce sens, c'est que l'on a attendu lors de la constitution du bureau définitif du Sénat que certains partenaires du chef de l'État, notamment les camps Moïse Katumbi et les camps Bemba, manifestement n'étaient pas d'accord avec la manière dont les choses se sont déroulées. Et que manifestement, alors que l'on est en train d'attendre la sortie du gouvernement, M. Katumbi débarque à Kinshasa, il dit venir soutenir le Premier ministre. Il a été rencontré, il a rencontré également le président de la République. Et puis subitement, alors qu'il fallait faire la remise et reprise, donc le bureau d'âge devait faire remise et reprise avec le bureau définitif, l'autre démissionne. Alors qu'à son temps, il y avait une pétition qui avait été initiée par les sénateurs du FCC. Et manifestement, cette pétition n'avait pas été examinée. Et lui, à son temps, n'était pas apparemment prêt à démissionner. Et que donc, il y a tous ces éléments pris ensemble. L'on peut considérer que cette démission a une certaine coïncidence avec l'arrivée des leaders de l'Assemblée pour la République. On a Jean-Pierre Bemba qui n'était pas content de la composition du bureau définitif du Sénat, Moïse Katumbi également. Alors qu'il y avait une certaine unanimité lors de la composition du bureau de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, il n'y a pas unanimité, les autres n'étaient pas contents. On nous dit aujourd'hui que José Endundo sera peut-être celui qui sera à la place de Sami Badi Banga. Une coïncidence. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer
du point de vue de la loi. Nous voulons interroger la loi. Après la démission d'une personne au sein du bureau du Sénat, comment va s'organiser l'élection? Ça sera une élection partielle? Tout naturellement, ce sera une élection partielle parce qu'il faut que le président du bureau définitif, cette fois-là, je ne sais pas si il y a eu déjà clôture de la session extraordinaire au Sénat, mais le moment de la reprise des activités au Sénat, c'est-à-dire après les vacances parlementaires, et je crois que entre autres points que le bureau définitif doit inscrire, sera l'élection portant remplacement du premier vice-président au Sénat. Et que, à mon humble avis, c'est un poste qui doit être aussi un poste compétitif, à moins que les partenaires ou les sociétés se mettre d'accord pour un candidat unique, tant mieux. Mais du moins, il doit être procédé à l'élection du premier vice-président du Sénat qui semble être, dont les postes semblent être vacants. Voilà, je crois que nous allons revenir longuement sur cette démission de Sami Badou Banga dans les prochaines émissions. Mais venons-en à nos sujets du jour. Nous sommes en train de suivre le procès des présumés détourneurs des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. On nous parle de presque 60 milliards de francs congolais qui auraient été détournés. Et monsieur le directeur national de la CECOP et l'inspecteur de l'EPST sont mis en détention préventive et le procès a commencé. Vous, quand vous avez appris que ces gens-là sont arrêtés et que le procès devait commencer, quelle a été votre impression? Bon, l'impression, c'est que c'était une façon de mettre fin à ce que l'on qualifie d'impunité et qui a toujours gagné du terrain en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui détournent l'argent des contribuables congolais, surtout à ce qui concerne, bien entendu, la gratuité de l'enseignement des bases. C'est très grave parce que c'est d'abord constitutionnel. Et avant que le président de la République ne vienne mettre ça en pratique. Et que donc, les sentiments, ces sentiments de satisfaction de voir que les détourneurs d'hier sont aujourd'hui en train de répondre de leurs actes, il appartiendra à notre justice, que nous estimons être une justice juste, indépendante, de bien voir les choses. Si ces gens-là, avec des éléments de preuve, se sont rendus coupables des faits pour lesquels ils sont reprochés, les juges ne peuvent que appliquer la loi dans sa rigueur. Mais s'il s'avérait que ces gens-là n'y sont pour rien à ce qui concerne ces faits infractionnels, il appartiendra au juge de rendre en âme et conscience sa décision au fait de les acquitter. Mais du moins, on peut être satisfait de voir qu'aujourd'hui, les détourneurs peuvent aussi être poursuivis. Les détourneurs peuvent être poursuivis, mais parlons de ces détourneurs. Le ministre de tutelle, Willy Bakonga, ministre d'État, son nom est cité un peu partout dans cette affaire, dans des couloirs judiciaires, dans des couloirs politiques. On nous parle de Willy Bakonga qui serait l'instigateur de ces présumés détournements, parce que c'est encore la présomption. Mais comment imaginer que lui, l'ordonnateur, ne soit pas interpellé et les exécutants sont arrêtés et conduits en détention préventive? Oui, au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la confiance que l'on doit faire à la justice de la République démocratique du Congo, c'est la justice seule
qui peut apprécier de manière souveraine qui poursuivre, qui ne pas poursuivre. D'autant plus que la responsabilité pénale est individuelle. Et que donc au jour d'aujourd'hui, s'il y pèse dans les chefs de ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, des indices sérieux de culpabilité, la justice ne va poursuivre que ces gens-là. Si demain, la justice est toujours dans ses investigations, arrive à établir un certain lien entre l'ordonnateur, comme vous l'avez qualifié ici, les ministres et en charge l'enseignement primaire et secondaire et technique dans ses attributions, que lui aurait aussi mis la main dans la pâte, je ne les vois pas être, je ne les vois pas échapper à toute poursuite, d'autant plus que nul n'est au-dessus de la loi. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines questions qui peuvent être qualifiées d'obstacles liées aux fonctions qu'il a en train d'exercer. Voilà. Mais lui, du moins, il ne sera pas vraiment... Mais quand même, en tant que renseignant, il peut être appelé à la justice pour expliquer quand même. Oui, et renseignant, c'est-à-dire qu'il doit disposer un certain nombre d'éléments à mettre à la disposition de la justice pour les procès concernant les deux qui sont poursuivis. Oui, donc là, lui, il y vient comme quelqu'un qui dispose d'un certain nombre d'informations que la justice aura besoin pour exploiter dans le cadre du procès actuellement en cours. Mais Willy Bakonga n'est pas nommément cité, mais il pourra, parce que selon le contenu, du rapport de l'IGF, Willy Bakonga devra répondre de ses actes. Mais, professeur, vous, en tant que juriste, expliquez-nous d'abord quelle est la procédure pour qu'un ministre en fonction soit déféré devant la justice. La procédure est d'abord judiciaire et politique à la fois. Oui. À la fois. Et donc, il semble que les rapports de l'IGF aurait été déposé au bureau du procureur. Alors, le procureur, cette fois-là, je parle maintenant du procureur général près la cour de cassation. Donc, le parquet est près la juridiction qui peut juger un ministre, n'est-ce pas? Alors, il appartiendra maintenant au procureur général près la cour de cassation de solliciter à ce que les immunités du ministre soient levées au fait de lui permettre de le poursuivre pour les faits infractionnels dont il se serait rendu coupable. Donc, lorsque cette démarche est faite, la chambre saisie, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, va examiner et voir même l'opportunité quant à la demande faite par le procureur général. Et lorsque l'on trouve que le ministre ne doit pas échapper, on va soumettre la question à la plénière, et quitte à la plénière, de prendre, de lever la dernière option pour que le ministre soit poursuivi. Et que donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est de manière un peu ramassée, c'est ça la procédure qu'il faut suivre pour poursuivre un ministre. Voilà. Professeur, cette histoire a commencé depuis un peu longtemps. Les rapports de l'IGF, peut-être vous avez cette information, l'IGF a déposé son rapport au parquet à deux reprises. D'abord, l'IGF a déposé, et puis les rapports s'est volatilisés, et ensuite l'IGF est allé déposer un deuxième rapport. Est-ce que cette méthode-là n'était pas une manière pour le parquet de faire échapper le ministre Willy Bakonga de la justice? De toute façon, je ne sais pas trop entrer dans les détails en ce qui concerne certains dossiers qui échappent à ma connaissance. S'il y aurait un rapport qui aurait été à son temps déposé, mais perdu au niveau de l'administration
du parquet général. Je ne sais pas, mais si tel serait le cas, c'est qu'il y a un petit souci en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration du parquet. Parce que le parquet est là, notamment comme avocat de la société. Donc lorsque la société a des difficultés aujourd'hui parce qu'il y a des détourneurs, je pense que le parquet ne doit pas être complaisant vis-à-vis de ces gens. Et donc, le faire serait être à l'antipode, à mon humble avis, de toutes les prérogatives reconnues au parquet qui consistent à chercher les infractions, poursuivre les auteurs de ces infractions, mettre la main sur eux, et puis les déférer devant les juridictions compétentes. Donc, le parquet doit rester à ses attributions-là. Donc, faire autre chose serait un peu exposer la société dans les antivaleurs. Mais à l'époque de Luzo Lobambi, alors conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux, il y a eu des accusations, il y a eu des révélations, il y a eu beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de poursuites. Aujourd'hui, l'IGF arrive avec les rapports de l'IGF, il y a des poursuites judiciaires. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine évolution positive de notre justice par rapport au temps passé. Bon, aussi, les poursuites ne sont pas sélectives. Mm-hmm. On peut arriver à aboutir à cette conclusion-là. Mais si c'est une injustice des vainqueurs sur les vaincus, là, il va se poser un problème. Et même de vous, la justice actuelle, c'est une justice sélective ou pas? De toute façon, comme citoyen, j'ai le droit de mettre un point de vue sur le fonctionnement des institutions de mon pays. Entre autres institutions, on peut parler de l'institution judiciaire, oui. Qui est un pouvoir, à mon humble avis, un pouvoir le plus important dans une démocratie. N'est-ce pas? Mais le fonctionnement actuel de notre justice laisse un peu à désirer, tout simplement parce que vous veniez de le dire ici. Et comment voulez-vous comprendre qu'un dossier de dénonciation avec autant de milliards de francs congolais destinés pour les enfants congolais qui soit volatilisé comme ça et que le dossier est déposé au parquet? Mais ce dossier est perdu. Cette perte-là laisse un peu perplexe les citoyens consciencieux sur le bon fonctionnement de la justice et de la capacité de cette justice à rendre une justice injuste. Et que donc, à mon humble avis, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en ce qui concerne la justice de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons toujours nous battre, mais du moins, à mon humble avis, on est déjà en train d'évoluer vers la bonne direction. Mais jusque-là, il y a encore à boire et à manger dans cette justice, vous l'avez si bien dit, en tant que citoyen congolais. Et aujourd'hui, avec ces présumés détournements, je rappelle que ce ne sont que des présomptions jusqu'à présent. C'est à la justice de nous dire que si ces gens-là sont coupables ou pas, ben jusqu'à présent, ce sont des présomptions. Ces détournements, on peut dire que il y a un plan de sabotage de l'action du chef de l'État qui a fait de la gratuité de l'enseignement comme son cheval de bataille. Bon, de toute façon, je ne sais pas dire oui ou non, parce que ici, même ceux qui sont appelés à saboter l'action du chef de l'État, l'action n'est pas exclusivement l'action du chef de l'État. Cette action, c'est pour la survie de la nation congolaise. Et que tout ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est pour satisfaire à sa manière la population congolaise. Donc ce n'est pas nécessairement le chef de l'État qui est saboté, mais c'est plutôt la République. Donc les citoyens de la République démocratique du Congo qui semblent être sabotés. Bon, le sabotage à ce qui concerne peut-être si il faut dire qu'il s'agit de sabotage du président de la République et dans ses actions, ça voudrait dire que les gens continuent jusqu'ici à faire la politique politicienne.
une politique consistant à mettre un peu de coq à jambe dans... Il faut rappeler que Willy Bakonga, c'est un ministre issu du gouvernement de la coalition FCC-CACH. FCC, et que de ce point de vue, moi je ne suis pas là pour un peu... Parce que Willy Bakonga, à mon humble avis, comme ministre, c'est un homme d'État, un homme qui est appelé à servir la République. Exactement. Et que tout ce que le président de la République est en train de faire, à homme d'État, lui ne peut pas saboter parce que tout le monde est appelé à servir à sa manière. Et un membre là où du FCC, il peut quand même le faire. Voilà. Et alors, si le FCC est en train de faire la politique politicienne, c'est-à-dire une politique consistant à voir à l'autre échouer, cette fois-là, le FCC serait contre la population. Et que une politique, la politique en soi, comme un art de gouverner la cité, et lorsque l'on gouverne la cité, l'on donne les meilleurs de soi pour que la cité soit dans des conditions les plus meilleures possibles. Si telle avait été la démarche, du moins, ou du moins l'approche du FCC, c'est que cette approche est anti, non seulement anti peuple congolais, mais aussi contre la République. La République qui regorge à son sein certaines valeurs, entre autres valeurs aussi, c'est cette bonne gouvernance, c'est la transparence dans la gouvernance. Vous ne pouvez pas, comme ça, vous réveiller un matin et prendre ou confondre votre poche avec la poche de l'État qui se trouve être la poche populaire, la poche des citoyens vivant dans cet État-là. Professeur Patrick Mende, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et d'autres universités du pays. Puisqu'on parle de l'enseignement, puisqu'on parle du détournement des fonds destinés à l'enseignement des enfants, ces enfants-là, demain ou après-demain, ils seront étudiants, ils seront vos étudiants, vous en tant que professeur d'université. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui, quel avenir pour ces enfants? Est-ce qu'ils auront des aptitudes intellectuelles adéquates pour servir la nation comme il se doit? Oui, l'avenir est dans la conjugaison des efforts de tous, vous et moi. Ceux qui nous dirigent, vous comme parents, vous savez que faire pour construire dans votre enfant pour que ce dernier devienne quelqu'un dans la société. L'école qui a pris la relève des parents doit aussi faire la même chose. Les dirigeants doivent mettre les acteurs éducatifs dans des conditions qui soient encore plus meilleures. Et comme ça, on peut avoir une société construite avec des gens qui ont une certaine base sur laquelle on peut compter. Alors, avec la situation d'aujourd'hui, l'on a parlé de la gratuité, il se pose beaucoup, énormément de problèmes. Ajouter à cela les détournements des fonds alloués à cette gratuité. Donc, et pour les pessimistes, donc, il faut croire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais il y a parce qu'il n'y a presque plus la formation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a de quoi à espérer avec la volonté. C'est question d'une petite volonté seulement. De croire que cette République nous appartient, c'est ce que nous avons en commun. Donc l'État, c'est ce que nous avons en commun et que nous avons besoin de le servir pour que l'on se trouve. Donc c'est cela qui va faire en sorte que dans ce secteur-là, l'on ait des hommes et des femmes capables de relever les défis de demain. Voilà. Professeur Patrick Mende, notre invité d'aujourd'hui, je rappelle que vous êtes professeur des droits constitutionnels à l'université de Kinshasa. Vous êtes également avocat, même si vous n'intervenez pas comme avocat. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, certainement. Je crois que je ne me suis pas trompé. Nous allons parler, vous allez souffrir un tout petit peu que nous puissions parler politique maintenant, parce que vous voulez beaucoup plus la science. Quand il s'agit de la politique, vous cherchez à échapper un tout petit peu, hein, vous êtes obligé, vous êtes appelé à parler aussi politique. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de ce deuxième sujet, il s'agit bien de
de la réaction ou la sortie médiatique de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Je vais vous brosser certaines lignes de cette déclaration. C'était le lundi de cette semaine. Je rappelle quelques lignes. La CENCO a exigé à ce que tout soit mis en œuvre pour la tenue des élections dans le délai en 2023. La CENCO a demandé à ce que tout soit mis en œuvre pour la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI ainsi que la loi électorale. Quand vous avez appris cette information, cette déclaration de la CENCO, cette déclaration en tout cas, quelle est la lecture que vous avez faite des demandes de cet épiscopat congolais? Oui, les prêtres de l'Église sont des citoyens avant tout. Comme vous et moi. Comme vous et moi. Ils ne peuvent pas imposer quelque chose. Et comme citoyens, l'on a cette liberté d'expression pour parler des choses et de la République. Et la CENCO, c'est aussi à considérer comme étant une organisation citoyenne. Alors, la citoyenneté, lorsqu'elle en entre dans sa plénitude, voudrait qu'à un moment donné, qu'elle soit véritablement des démocrates. Alors, lorsqu'on est démocrate, la source de légitimité des acteurs politiques, ce sont les élections. Et lorsqu'un citoyen constate que le temps passe et que manifestement la question portant sur les choix de ceux qui vont nous diriger après 2023 semble être hypothétique. Donc, un bon citoyen ne peut que sortir pour alerter. C'est ce que la CENCO a fait. Et qu'à mon humble avis, d'abord, ce sont des citoyens libres de s'exprimer par rapport au fonctionnement de ces institutions. N'est-ce pas? En fait, des institutions, voudrais-je dire, de leurs institutions. Aussi, ils ont la latitude, n'est-ce pas, de par la Constitution, de dire, parce que vous êtes sans ignorer que l'Église catholique, c'est l'Église la plus proche des citoyens. Ça, c'est, comme votre, tel, c'est votre point de vue, ça ne sera certainement pas partagé par les Kimbanguistes. C'est une des églises, bon, en fait, s'il faut bien voir les choses, d'un point de vue des plantations de cette église, d'un point de vue des actions sociales menées à terme des écoles, à terme des hôpitaux, à terme, il y a beaucoup de domaines sur lesquels intervient l'Église catholique. Alors, l'Église qui vit avec ses fidèles, qui voit la manière dont les fidèles sont en train de croupir, et qui voit aussi ce que peut amener les autres. Et parce que vous êtes sans ignorer que lorsqu'on est dans une démocratie et qu'il faut conquérir le pouvoir, et que lorsque un camp qui est appelé à organiser les élections manifestement ne veut pas le faire, c'est que les autres peuvent être poussés à faire autre chose qui ne sera pas du tout conforme à la volonté du peuple. Parce que vous avez par exemple l'insurrection, vous avez par exemple donc, les gens qui viennent prendre les armes tout simplement parce qu'il faut chasser. Et ceux qui sont au pouvoir, qui veulent manifestement prendre en otage le pouvoir, cette fois-là, c'est le petit peuple qui en pâtit. C'est comme ça que ceux qui sont, qui vivent au quotidien avec le peuple, sont sortis pour un peu dire aux dirigeants d'aujourd'hui de bien voir les choses, de bien prévoir les choses pour que les élections aient lieu au fait que la cité soit calme. Donc on n'a pas besoin de s'accrocher pour activer le feu et puis amener les citoyens dans des chemins, par exemple, d'exil. N'est-ce pas? Donc
c'est tout à fait normal que le président de l'Église puisse faire cette déclaration. Mais là, nous avons la réalité en face. Nous sommes à pratiquement 2 ans de la tenue du scrutin présidentiel. Au regard de la réalité que nous avons en face, croyez-vous que les demandes de la CENCO, les propositions de la CENCO vont trouver une solution? Parlant de la solution, c'est-à-dire que tous ces éléments-là soient exécutés. Non, c'est-à-dire que même la CENCO, on n'a pas à faire une quelconque demande. C'est impératif comme ça, impératif dans une démocratie, dans une république. C'est juste un rappel. Donc, c'est juste un rappel de ce que doivent faire ceux qui sont au pouvoir. Donc, si aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, qui avaient 5 ans pour organiser les élections, vont venir pour dire, nous, on ne sait pas organiser les élections, pour donner certaines justifications, là, ça pose un problème. Donc, au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne, je ne suis pas un technicien des élections, mais il y a encore des quoi, parce que nous avons une jurisprudence en 2018, on a vu comment, dans quelles conditions nous avons organisé nos élections. Alors, si les dirigeants d'aujourd'hui ont levé l'option d'organiser les élections de la manière où elles ont été organisées en 2018, tant mieux, mais dis-moi, l'on a déclaré, l'on a dénoncé une espèce de négligence dans ce secteur combien intéressante dans la vie d'une démocratie. Ces gens-là sont aujourd'hui appelés à faire des choses de sorte qu'en 2023, que l'on ait des élections et que l'on porte à la tête de l'État, tout comme à la tête de, en fait, dans les assemblées délibérantes, des personnes choisies par les citoyens que nous sommes. C'est une sorte de compétition en quelque sorte. En 2018, Bruno Tshibala et Joseph Kabila avaient organisé des élections dans un temps record et surtout avec les moyens propres de la République. Là également, Samalou Kone et Félix Tshisekedi ne doivent pas s'hasarder. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que le président actuel, comme son parti politique, c'est un parti qui a fait pratiquement 37 ans d'opposition, a fait qu'arrive l'ère démocratique. Donc lorsque l'on parle de la démocratie, elle est avant tout électoraliste, n'est-ce pas? Alors, lorsque un parti qui a milité pour la démocratie, au fait que les dirigeants soient choisis par les citoyens, et voudrait se contredire, et cette fois-là, l'on tomberait dans ce que l'on appelle « ôte-toi d'ici pour que je m'y mette ». Donc je ne vois pas le président de la République être dans cette démarche-là. Il est censé être de bonne foi et la vision dont il est entré de prôner aujourd'hui, qui est l'union sacrée de la nation, semble être une vision démocratique où l'on ne peut pas laisser de côté certains aspects et peut-être beaucoup plus intéressants dans la vie démocratique pour parler d'autres choses. Et qu'à mon humble avis, la démocratie doit faire la vision dont parle le président de la République, c'est une vision démocratique. Et dans les états-majors de l'UDPS et ses alliés, ça se parle déjà. On ne peut pas aller d'ailleurs, le pasteur Mukuna l'a dit, il est aussi proche de la famille politique du chef de l'État, il faut se le dire. Il a dit, il y a aussi Augustin Kabuya qui l'a dit, avant d'aller aux élections en 2023, on doit organiser le recensement de la population. N'est-ce pas un ballon d'essai pour voir, pour jauger la réaction de la population? Non, dans une démocratie, Augustin Kabuya qui semble être, qui est, malgré certaines contestations au sein de milliers, qui est le secrétaire général d'un parti qui se dit démocratique et ne peut pas et rentrer pour dire non, voilà. Ça ne doit pas être une condition. D'abord, c'est un impératif de gouvernance, recenser ses citoyens. Mais le recensement ne doit pas conditionner les élections.
les recensements, vous allez continuer. Les recensements généraux de la population ne doit pas conditionner l'organisation des élections. Donc, les élections, c'est une obligation que les peuples, que les dirigeants soient appelés à accomplir au même titre que le recensement. Et que donc, l'on ne peut pas, parce que l'on a vu à 2015, les gens sont morts, tout simplement parce qu'il y avait, à un moment donné de l'histoire de notre pays, quelqu'un qui a commencé à prêcher à ce que l'on conditionne de l'organisation des élections avec le recensement de la population. Et que donc, nous n'avons pas besoin de voir à ceux qui réclamaient, qui se disaient démocrates hier, emboîter les pas de ceux qui les accusaient comme étant autocrates. Donc, nous avons besoin, beaucoup plus dans les chefs du président de la République et de son camp, de voir les signaux forts de la démocratie. Et il n'a pas besoin de suivre certaines personnes. Vous avez cité des gens tels que les Mukuna. Lorsque vous parlez, Mukuna a été ou est jusqu'ici le président, si c'est des réveils patriotiques. Bon, comment vous réveillez le patriotisme et vous oubliez l'organisation des élections? Vous voulez que le président actuel tombe dans ce qu'on appelle illégitimité. Parce que au-delà de 2023, le président ne sera plus légitime. Mais quel est le patriotisme dont question ici dans les chefs de M. Mukuna? Et donc, ce ne sont pas des gens, manifestement, dans une démocratie à suivre. Donc, ce sont des citoyens. C'est juste un ballon d'essai. Je ne peux pas parler de ballon d'essai parce qu'ils n'ont pas besoin de jeter ces ballons-là. Donc, c'est un ballon qui n'a pas besoin d'être jeté. Est-ce que nous sommes résolument engagés dans cette voie-là de la démocratie et que tout le monde vraiment est appelé, ou si les gens ne sont pas appelés, seront contraints de suivre la voie démocratique? Revenons maintenant à ce que nous parlions, s'agit bien de la déclaration de la CENCO. On a suivi les réactions dans le camp présidentiel. Le directeur de communication de la presse présidentielle a fait une sortie virulente contre la CENCO. Aussitôt, il a été contredit par le porte-parole du président de la République. Le porte-parole lui-même a été contredit par Augustin Kabouya. Pourquoi cette cacophonie au sein de la famille présidentielle? C'est aussi ça la problématique dans les camps présidentiels et de cohésion ou d'harmonisation des vues lorsqu'il faut prendre parole. Et tout le monde se précipite et tout le monde voudrait montrer au président de la République que c'est lui qui l'aime, c'est lui qui le fait, alors que le président de la République n'a pas besoin de ce qu'il aime. Il a besoin de services, de servir la population. Et que c'est à partir des actes posés par lui que la population va l'aimer. Et que donc, tous les autres qui parlent, parce que je ne vois pas comment l'on peut contredire les porte-paroles du président de la République. Mm-hmm. Donc, l'on sent. C'est la bouche du chef. L'on suppose que ce qui sort de la bouche du porte-parole du président de la République, ce sont les propos ou la pensée du président de la République. Mm-hmm. Mais vous, de la périphérie, vous qui voulez faire un peu du populisme, je crois qu'il y a de quoi respecter les propos, à mon humble avis, du président de la République sorti par la bouche de son porte-parole. La CENCO, hier, était mère chérie de l'UDPS parce qu'elle l'a aidé à faire partir Joseph Kabila avec les marches organisées par le comité laïque de coordination, avec tout ce qui a été organisé par la CENCO avant les élections. Aujourd'hui, la CENCO devient la bête noire de cette même UDPS. On peut dire que l'UDPS a changé de fusil d'épaule. Non, je n'ai pas cette lecture-là. C'est tout simplement les gens n'ont pas encore ce qu'on appelle les logiciels démocratiques. Donc les gens n'ont pas encore compris que la démocratie, ce n'est pas
s'emparer éternellement du pouvoir. C'est cette conquête démocratique du pouvoir, c'est-à-dire vous allez vous vous présenter devant les gens avec un programme et que les gens vous élisent sur base de ce programme-là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on rappelle que le temps passe et qu'il faut préparer un bon discours à nous soumettre à 2023, les gens commencent à s'agiter. Cette façon de faire elle semble être à la typode de la démocratie. Donc c'est un problème que les gens... l'on ne peut pas, à mon humble avis, osciller sur l'arbre et sur lequel on est assis. Bon, s'il faut reprendre ce que vous veniez de dire, c'est que la CENCO avait été pour grand-chose pour l'avènement, non pas de la démocratie, mais pour l'avènement du pouvoir actuel au pouvoir. Et que donc, la CENCO ne doit pas être considérée comme étant une bête noire de l'UDPS. Ça sera une mauvaise lecture dans ce chef. La CENCO est toujours restée aux côtés des valeurs. Ce sont les valeurs que la CENCO est en train de prôner et que pour le reste, ce sont des gens qui rêvaient de venir arriver au pouvoir. Lorsqu'ils arrivent, ils oublient tout ce qu'ils ont eu à faire par le passé. La CENCO reste dans sa situation aux côtés des peuples. Voilà, professeur Patrick Mende, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre disponibilité. Vous avez toujours été disponible quand les questions se posent au sein de nos internautes. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que comme enseignant des droits constitutionnels, les droits constitutionnels en soi, c'est une discipline de civilisés. Une discipline de civilisés où lorsqu'on accède au pouvoir, on accède de manière civilisée. Lorsqu'il faut quitter le pouvoir, on quitte aussi de manière civilisée. Et que les gens doivent comprendre que le président de la République aujourd'hui est à son premier mandat et qu'il a besoin d'avoir un discours pour solliciter un second mandat, sans chercher à s'éterniser au pouvoir, faire les jeux que tout le monde avait décrié hier. Et que non, s'il faut vraiment faire un petit commentaire là-dessus, c'est de demander tout simplement au président de la République de tout mettre en œuvre pour qu'à 2023, qu'il y ait des élections libres, transparentes, et pouvoir permettre à la République de décoller. Certainement, nous espérons que les actions du chef vont permettre à la République de décoller. Je rappelle que pour ce face-à-face d'aujourd'hui, nous avions reçu le professeur Patrick Mende. Il est d'abord enseignant en droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous avons parlé de... du procès de présumé détourneur du fonds destiné à la gratuité de l'enseignement. Nous avons également parlé de cette sortie médiatique de la CENCO ainsi que la déclaration, la réaction du camp présidentiel. Nous avons également parlé de la démission de Sami Badibanga en tête, soit à la première vice-présidence du Sénat. Vous avez suivi les explications et les commentaires et les analyses du professeur Patrick Mende. Quant à moi, je vous dis un grand merci parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Thierry Matondoko qui était au cadrage. Grand merci également à Fiston et Encolé à la réalisation, sans oublier Aristote qui a assumé la partie régie. Et pourquoi pas Bijou Maïkani qui a tout coordonné. Aujourd'hui, grand merci à Odon Boulamba, le boss, le patron de Léon Joléo, qui nous a suivis depuis la Nouvelle-Zélande. Professeur, je suis arrivé à la fin, mon amour. Vous êtes venu pour la première fois visiter les installations de Léon Joléo. Un mot. Fantastique. Fantastique. Merci. Bon. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Vous et nous, on se retrouve à la prochaine.